c'est évidemment l'homme dont tout le monde parle, et pour cause, il va faire ses débuts comme titulaire avec sa nouvelle équipe. Bonsoir tout le monde, on est en direct de Saxe. Et salut à tous les amis, c'est Drazix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour ce 68e épisode. Juste avant que ça commence, évidemment, je vous invite à vous abonner avec la cloche des notifications. Merci à toutes les personnes qui le font, ça me soutient énormément et qui partagent la chaîne YouTube. Aussi pour le retour des vidéos de la carrière joueur de Idriss Perez. Objectif 35 pouces bleus en moins de 24 heures, je sais que c'est largement faisable, alors go faire cet objectif le plus rapidement possible. Et comme vous l'avez vu, on vient actuellement de signer au Bayern, vous avez été nombreux du coup à me proposer ce club dans les commentaires. Et pour finir du coup ma carrière, on a décidé de rejoindre le Bayern Munich. Donc j'espère qu'on va réussir quand même à faire une bonne fin de carrière, on va dire, au Bayern. Évidemment, je rappelle que c'est une nouvelle saison, et sur ce, on est parti. Je rappelle, le retour des vidéos arrive en masse, les amis. Je suis de retour très très prochainement, parce que du coup, je suis bientôt en vacances, donc je vais en profiter pour essayer de vous bombarder le plus de vidéos possibles, également des lives sur YouTube à venir, et sur ce, on est parti. On commencera cette saison avec un match de Super Coupe qui commencera très très fort, vu que ça se jouera contre Dortmund, qui avait le ballon sur cette action à la 50e minute et toujours 0-0. Pourquoi pas lancer une contre-attaque là-dessus avec ce ballon qui va être demandé sur le côté gauche. Derrière, le premier 1 contre 1 qui va être gagné. On va décider d'y aller tout seul. Et derrière, avec la puissance, le tir sur le poteau. Et juste derrière, le ballon qui reviendra dans mes pieds avec un peu de réussite. Le premier but de cette rencontre. Le geste juste au moment opportun. C'est pour ça qu'ils l'ont fait venir. Magnifique! Faut être heureux pour rendre heureux. Le ballon. 1-0, toujours après 84 minutes de jeu. Dortmund qui ont failli marquer, mais derrière le ballon qui arrive à être récupéré. Dortmund qui vont une nouvelle fois récupérer cette balle. Dortmund qui peuvent revenir au score. Je rappelle que si ça part en égalisation, si je me trompe pas, ça va partir au péno. Donc il faut à tout prix ne pas se prendre de but pour l'instant. Le ballon qui arrive à être récupéré, pourquoi pas tenter une nouvelle fois une attaque avec ce ballon. Et derrière, le joueur qui a rien compris, qui s'est mis devant, le ballon qui arrive à être quand même récupéré. Pourquoi pas aller chercher un nouveau but avec une nouvelle fois un ballon dans la profondeur, aller le doubler, pourquoi passer maintenant. Et juste malheureusement à côté du poteau, mais on viendra gagner cette super coupe pour bien commencer ce début de saison avec le Bayern, avec un but à la 53e minute. Le magnifique trophée, vous le voyez, il est juste ici. Ça commence très très fort déjà le premier match. En plus de nous, en plus de ça, ça va être grâce à nous qu'on va gagner ce match. 1-0 et la coupe qui va être remportée. Le premier match de Bundesliga, on se retrouve à la 12e minute avec ce ballon sur ce côté gauche. Pourquoi pas aller marquer ce premier but avec ce tir parfaitement bien cadré. Mais derrière qui sera arrêté par le gardien adverse, ça donnera un bon corner là-dessus avec une nouvelle fois un nouveau dégagement du gardien adverse. Cette fois-ci pas de nouvelle occasion. Le ballon par contre qui sera repris à la 20e minute avec ce contrôle parfait derrière. Les petits dribbles et une nouvelle fois par contre là le tir qui a été totalement raté avec le joueur qui a tenté une reprise de volée. Très très risqué, le ballon qui va être perdu mais qui va réussir à être récupéré. Derrière le 1-2, ça joue très très vite, le ballon qui va être redemandé dans les pieds. Derrière le tir enroulé qui passera juste au-dessus de la barre transversale. Pour l'instant, il y a toujours 0-0 au tableau d'affichage. Et on y était presque en tout cas de marquer ce premier but en Bundesliga. Le ballon qui va être dégagé à la 79e minute, toujours 0-0, c'est très très compliqué, le ballon qui va être redemandé dans les pieds. On va peut-être tenter d'y aller tout seul avec ce dribble, le joueur qui va être dribblé derrière, la passe et finalement le tir une nouvelle fois qui sera arrêté par le gardien qui est extrêmement bon dans cette rencontre. Il nous reste 9 minutes pour tenter de mettre un but, derrière le corner qui va être totalement gâché là-dessus, mais le ballon qui va être redemandé sur ce côté, le ballon qui va être une nouvelle fois perdu. Et attention derrière Wolfsburg qui aurait pu tenter une frappe dangereuse. Malheureusement, cette rencontre se terminera sur un 0-0 pour un premier match. Troisième journée de Bundesliga.
Et on se retrouve à la cinquième minute, excusez-moi, avec déjà un corner qui aurait été tiré très très rapidement. Le ballon qui a été dégagé. 9e minute de jeu, le ballon qui va être récupéré derrière. Regardez, on va y aller tout seul. On va décider d'y aller tout seul sur ce côté gauche. Derrière, on va se remettre sur notre pied droit et enrouler cette frappe à droite pour le premier but de cette rencontre. On revoit ce but, alors Carlos Bianchi au Pipo Inzaghi. Regardez, tout là, on est au bon endroit, dans le bon moment. C'est ça, le buteur. 1-0, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir à tout prix hein, dans cette nouvelle composition, les amis, je suis actuellement milieu offensif gauche, donc je suis plus du coup attaquant gauche, mais je suis passé du coup MOG, donc voilà, changement de poste, donc ça va être très compliqué la réadaptation, mais pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal comme poste aussi. Attention, ballon qui va être perdu, l'équipe adverse qui peuvent espérer de mettre un but là-dessus, derrière le ballon qui va être totalement perdu, qui va être redemandé dans les pieds, la passe, le ballon qui va être... redonné à gauche, qui va être repris. Derrière, on va pouvoir gagner ce duel sûrement. Le ballon qui arrive à être gardé, la conduite de balle qui est parfaite. Pourquoi pas tenter un centre là-dessus, derrière. La fin de frappe, la deuxième fin de frappe. Et derrière, le tir plein lucarne pour le doublé. Deuxième du match, le doublé. Inarrêtable, implacable. Quel sens du but. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Ça joue très très bien, le petit joueur qui va dribbler derrière le deuxième, on arrive à garder pour l'instant cette balle, pourquoi pas aller tenter un triplé là-dessus, on va se retourner, pour l'instant on décide de garder le ballon et on y arrive, le triplé pourquoi pas, et oui, le triplé totalement mérité après un match magnifique en termes de dribble. Comment le défenseur est battu au départ de l'action, ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et regardez, la pression défensive s'accentue et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. La fin du match évidemment qui sera simulée et la rencontre qui sera gagnée 4-0. Sixième journée de Bundesliga, on se retrouve à la cinquième minute avec, comme vous le voyez, Osimhen là qui va se retrouver tout seul en 1 contre 1. Contre le gardien et qui va permettre à l'équipe de marquer le premier but de ce match. Le contre c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse de ces coups. Osimhen qui n'a pas eu énormément de difficultés sur cette action qui était assez simple. Et on est à la 52e minute, toujours 1-0 pour nous. Et là, regardez la contre-attaque très très rapide, mon joueur. Qui utilise toute son énergie là-dessus et qui va décider d'y aller tout seul. Je peux donner ce ballon dans la surface et finalement le tir enroulé. Petit filet à droite pour le 2-0. Fait le break. Quelle contre-attaque. Regardez un peu. Il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération. Tout y est. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression. Le 2-0 qui va faire du bien. 88e minute de jeu. Le corner qui va être tiré. Le ballon qui va être récupéré dans les pieds, pourquoi pas tenter une frappe de loin, on la connaît ça, c'est la spéciale. Le tir extérieur du pied finalement qui touchera le poteau, et derrière, le but qui sera repris par notre coéquipier pour le 3-0. Et donc, le but. Regardez le ballon qui lui arrive dessus, il s'émet légèrement de profit, et d'un seul coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Quelle classe. . 3-0, pas d'autre but, fin du match et victoire. Match de Ligue des Champions et on se retrouve actuellement en phase de poule contre l'Ajax avec un ballon qu'on va réussir à récupérer à la 22e minute pour après redonner et redemander en appel de balle par-dessus la défense et derrière tirer. Malheureusement, le ballon qui sera très très bien défendu et en plus de ça, ça sera une sortie de but. Et attention, une nouvelle attaque à la 26e minute. On va décider de se mettre dans la surface avec cet appel de balle. Derrière, le ballon qui sera une nouvelle fois dégagé. L'Ajax qui s'en sort plutôt bien en défense pour l'instant. Même si on arrive quand même à trouver des espaces, c'est plus important. Derrière la petite passe, vous voyez, avec les petits dribbles. Le ballon qui va être demandé de la pied. Derrière la reprise de volée, magnifique. Pour le 1-0 à la 30e minute. C'est magnifique, cette reprise de volée. Et ça fait but. Et voilà le centre qui passe au-dessus de son défenseur direct et qui va chercher un coéquipier au second poteau. C'est très bien joué tout ça. Et derrière, le 1 contre 1, un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions.
Là, la reprise de volée qui a été juste parfaite. Attention à l'Ajax qui peuvent revenir au score à la 35e minute. Aucune peur, en tout cas pour notre gardien pour l'instant, qui gère la situation. Le ballon qui va être redemandé sur notre côté gauche. Je rappelle, on est émogé, mais j'essaie de jouer le plus offensif possible, de même des fois me mettre BU. Enfin voilà, en tout cas, je bouge beaucoup. Le ballon qui va être redemandé là-dessus. La frappe enroulée par-dessus le gardien. Et le doublé en Ligue des Champions. Un magnifique but à presque 30 mètres des cages par-dessus le gardien. Et en plus de ça, un troisième but qui va être mis par notre coéquipier pour abattre l'Ajax et le 3-0. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Arrivé là, 86e minute de jeu. Le ballon qui essaie d'être pris. Derrière, avec de la réussite, finalement, le ballon qui va être repris. Et le lob, finalement, qui va être repris avec un but de la tête pour le 4-0 en toute fin de match. C'est beau, et la fin du match finalement aurait été sifflée. On finira cette vidéo là-dessus avec un doublé en phase de poule de Ligue des Champions, plutôt pour l'instant un début de saison très convaincant avec le Bayern Munich. On arrive quand même à s'adapter. Je rappelle qu'il faut savoir, on a changé de poste, on n'est plus attaquant gauche, on est émogé, donc on joue vraiment beaucoup plus bas. Mais voilà, je rappelle que le coach nous laisse assez libre, il nous laisse en BU, il nous laisse un peu nous déplacer où on veut, donc ça c'est vraiment assez cool avec le Bayern. J'espère que le retour des vidéos vous fait extrêmement plaisir les amis, si c'est le cas, je vous fais confiance, mettez un maximum de commentaires, mettez évidemment un maximum de likes, partagez cette vidéo à tous vos amis, ça me soutient énormément. Et évidemment, abonnez-vous avec la cloche des notifications. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, il y aura sûrement un live dans les prochains jours à venir. Et sur ce, c'était Drazix, ciao!